9 heures dans les rues du village, et le facteur commence son ouvrage. Il distribue tout le courrier postal, dans la grande rue jusque là c'est normal. À leur fenêtre, des vieux les demoiselles attendent ses lettres et les bonnes nouvelles qui lui rapportent l'usage des plus anciens. À chaque porte, un verre dans la main. Parti en joie, sonne au numéro 2. Le facteur là tend une carte de vœux. On le remercie, alors comme il se doit, avec aussi un verre de vin d'Arbois. Toujours en joie, portant au voisinage, numéro 3, l'annonce d'un héritage. Et dans la liesse, on le traite en ami, et on lui verse un grand verre de Chablis. Vraiment en joie, le facteur opiniâtre donne un mandat chez le numéro 4. Nouvelle pause, chez l'autre enthousiasmé, on lui propose un verre de Beaujolais. Montant en joie, notre postier qui trinque remet à la demoiselle du 5 un mot d'amour de l'élu de son cœur, et en retour reçoit un verre liqueur. Rempli de joie, continuant son service, sonne deux fois chez le numéro 6. Facteur apporte un vieux remboursement qui lui rapporte une coupe de crémant. Numéro 7, une petite anisette. Numéro 8, un beau château Lafitte. Numéro 9, un verre de Châteauneuf. Numéro 10, une tournée au pastis. Et plus en joie, à chaque numéro, le facteur boit quelque chose de nouveau. L'histoire mérite sa mort à l'an de mots. La cuite au prochain numéro.